trigger. You me put no trigger. You wanna have the big up on the body. Eh bien bonjour à tous les amis, c'est DJ Arkili, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. C'est une astuce, c'est pour bien commencer votre village, pour avoir les meilleures astuces, tout ça, tout ça. Donc on va directement commencer, donc c'est parti, on lance, chargement, let's go. Donc là, ok, donc bienvenue, donc voilà, donc là vous allez construire. Donc vous prenez le canon et vous allez le placer plutôt par là, comme les gobelins viennent de par là, ce qui va faire. Après vous changez de place, mais là pour les gobelins vous pouvez le faire maintenant. Donc là ils disent de dépenser des gemmes, vous en avez 500, ne dépensez pas, ça va vous faire dépenser des gemmes pour rien. Les gardez-les. Donc là ils vont attaquer et vous voyez ils arrivent de là-haut, donc là, et en plus il est one shot. Donc voilà, donc c'était facile, c'était easy. Donc là, on a échappé belle, tout ça. Nous, on va attaquer. On a 3 sorciers. Mais au final, on peut en mettre qu'un. Comme ça, on économise 2 sorciers. Ça va être un peu long, mais ça va. C'est quand même mieux que d'en garder. Parce qu'au début du jeu, tu peux avoir besoin genre une attaque difficile, tout ça. Un sorcier, ça peut être très très utile. Donc tu peux le garder quand tu veux. Moi, je vais l'utiliser à la prochaine attaque. Mais... tu vois que, au final, c'est bien d'économiser, tu vois. Donc, ensuite, désolé, je suis un peu enrhumée. Excellent, du coup, là, on va construire la cabane ouvrière. Bon, ça, vous êtes obligé, vous perdez 250 gemmes. Ça fait mal aux fesses, mais c'est pas grave, vous êtes obligé. Donc, là, ne gemmez pas encore, non. Ça sert à rien de gemmer, d'accord. Juste à perdre vos gemmes, ne faites pas ça, d'accord. Donc vous voyez là aussi, il y a encore les sorciers là-dedans. Donc c'est pas mal. Donc là c'est 10 secondes, donc on va le laisser. Donc voilà, donc 10 secondes c'est vraiment pas beaucoup. Et donc voilà, donc il reste voilà, une seconde. Donc let's go. En construisant maintenant la réserve d'or. Je la mets au pif, hein, mais vous la mettez comme vous voulez. Après le canon, moi je vais le remettre à sa place. Une place normale. Donc là il y a le gobelin qui monte du doigt, mais on sait pas pourquoi. Donc là vous mettez votre caserne, c'est 10 secondes, donc ne gemmez pas, vous aurez gagné 10 gemmes et c'est plutôt pas mal, 10 gemmes. C'est pas arrêté ma... ah non ok, non c'est pas arrêté ma... ok, petit bug de rec. Alors donc il faut former là, donc vous appuyez. La file est pleine. Donc là c'est 4 minutes. Donc c'est moi je vais gemmer, mais vous ne le faites pas. 4 minutes c'est rien. Donc Clash of Clans. Dans une vidéo c'est beaucoup, mais dans Clash of Clans c'est rien. Donc moi je vais gemmer. Vas-y, go. Voilà. Donc vous voyez, là vous faites attaquer. Et pour le prochain, du coup, vous avez aussi vos sorciers. Et ça c'est très utile. Donc là vous attaquez, vous mettez vos barbares. Et derrière, vous mettez. Vous pouvez ne pas les mettre, mais c'est plus rapide de mettre les sorciers maintenant. Mais vous pouvez toujours les économiser, c'est très utile encore. Donc là, vous venez de les perdre, mais vous avez quand même gagné votre bataille. Donc, quelle bataille? Donc là, votre nom. Le nom, donc... très original. Donc là, on va améliorer l'hôtel de ville. C'est encore 10 secondes, donc ne gémez pas, hein, s'il vous plaît. Non mais c'est vrai parce que une gemme ça peut tellement tout changer en fait. Et voilà, donc là c'est les informations, donc on s'en fout un peu. Donc voilà, ça c'est bon. Donc là vous remettez une deuxième caserne et votre ville est presque terminée. Mais ne gemmez pas quand c'est 10 secondes ou une minute. Une minute ça n'est rien, c'est vraiment rien. Donc là je recale un peu tout parce qu'il faut bien que ça soit plus sécurisé. Là le canon il va prendre tout l'espace de la ville, enfin de la ville, oh là là, et je date moi du village. Donc là c'est les récompenses. Donc là on va pouvoir construire de nouvelles défenses, mais ouais voilà, de nouvelles défenses, genre un nouveau canon que je vais placer par là, comme ça être plus équitable. Bah d'accord, non ouais voilà, c'est ce que je voulais faire. D'ailleurs on peut swiper comme ça et c'est très très utile. Aïe, je me suis mis le doigt dans l'œil, oh le con.
Donc là, vous voyez, une minute, c'est vraiment rien. Ne gaspillez pas. Ne gaspillez pas. Ok, donc, aussi, ne gémez pas pour ça. Pour quelque chose qui est au-dessus de vos réserves. Parce que même si vous voulez gémir, il va vous dire, vous ne pouvez pas gémir. Il faut d'abord améliorer vos réserves. Voilà. Donc, il dit ça. Et après, bah, vous ne pouvez pas. Donc, là, on attend 33 secondes. Je vous fais une petite pause. Ou en accéléré. Ouais, en accéléré. Et bien voilà, c'est bon. Voilà. Oh yes, je passe les mêmes niveaux 2. Donc là, on va pouvoir former 20 barbares. Voilà. Donc, bah, on va attendre. Hein, parce que. Ouais, bon, j'ai pas assez de capacité de stockage. Mais bon, voilà. Donc, moi, je vais vous montrer mon gros compte. Du coup, vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc, voilà ma base. Bonjour, mon long clan. De toute façon, vous pouvez essayer de le rejoindre. Vous pourrez pas, il est privé. Donc, je créerai peut-être un clan pour les abonnés. Mais ouais. Donc, là, c'est bah, toutes les mines d'or. Voilà, niveau 7, niveau 7, niveau 8. Là, je suis en train d'améliorer mon canon niveau 8. Mon double canon niveau 8. J'ai des... Oui, ça, faut que j'améliore. J'ai pas de skin pour pour mon roi des barbares et ma reine des archères. Mais j'ai le PK en amélioration niveau 4, je crois. Oui, ça doit être ça. Après, là, j'ai les golems, des PK niveau 3, du coup. Et voilà, donc j'ai mis beaucoup de remparts qui servent à rien. Oui, je sais. Mais oui, d'ailleurs, il faut que j'améliore tous les remparts en or et niveau 4, là, parce que... Oh là là. Donc, ouais, donc la tour de l'enfer est en construction. Sinon, on va... Bah, du coup, comme mes troupes sont pleines, et ben on va pouvoir trouver... Voilà, donc, on va trouver une partie. Tiens, lui, on va l'attaquer. J'ai un ballon. Donc, ce qu'il faut faire au début... Non, lui, moi, je vais swipe, lui. Il a l'air un peu con... un peu difficile. Lui, oui, ouais, lui, ouais, ça va. Lui, facile. En vrai, oui. Allez. Donc là, je repère. Donc, on va mettre le ballon en premier pour distraire tout le monde. Et après, on met les PK, les golems, le roi des barbares et la reine des archers. On les met après. Donc, le PK, là, il fait le taf tout seul. Il détruit ça. Bah, je vais le soigner. Et lui mettre de la rage, comme ça, il est bien. Je vais mettre un potion saut pour le golem. Voilà, comme ça, il saute, il passe par-dessus. Il détruit tout. Ah, c'est bien. Je vais mettre, du coup... Non, pour l'instant, je vais rien mettre encore. Donc, le PK, il s'est pris une bombe, il a rien senti. Donc là, roi des barbares, reine des archères. Le roi des barbares, attention. Voilà, j'ai mis le truc de rage, comme ça, tranquille. Mince. Merci, il y a des ballons. Bon, on va les geler. De toute façon, mon PK, là, il est mort. Donc, voilà. Ensuite, la reine des archères, elle va... Du coup, ça va être la reine qui va devoir faire le taf. Hein. Du coup, je mets des archères comme ça sur le canon. Il va falloir que je mette aussi de la rage sur beaucoup de choses. Il a pas mis de... Non, ça va, il a pas mis de cabane d'ouvriers dans les petits coins. Donc là, il faut que la reine des archères elle détruise les ballons parce que sinon... Sinon, ça va être un peu chiant. Voilà, il va s'en occuper. Ouais, yes. Allez, let's go. C'est bon, on est tranquille, on a gagné. Donc là, bah, la dernière ressource, et puis voilà. Donc voilà, c'est terminé. Donc je vais vous expliquer aussi pourquoi il y a des gens, ils n'arrivent pas à faire 100% sur ma base, parce qu'ils attaquent mal. J'ai pas encore subi d'attaque sur ma nouvelle base, mais je vais vous dire pourquoi ils n'ont pas fait le 100% sur toutes mes bases, d'accord ? Donc, ah oui, 3 millions quand même. Ouais, ok. Alors, donc, voilà. Donc, on va regarder lui, qui a fait que 44%. Et on va voir pourquoi. Déjà, les attaques, oui, c'est une nouvelle base. Mais déjà, les troupes qu'il a, elles sont trop basiques. Alors, c'est des géants, des gobelins et des archers. C'est un peu trop basique. Faut mettre d'autres choses. Faut améliorer ses casernes, hein, monsieur. Donc voilà, pour l'instant tout va bien pour lui. Bon là pour l'instant il a plutôt bien attaqué.
Donc malheureusement le canon il est pas encore prêt. Ah, Monarch X qui fait le boulot. Ah oui, il est démonte le Monarch X là. Et il a un skin P.K. Hein. Il a un skin P.K. pour son roi des barbares. Ouais bon, pas ouf, hein. Pas fou, pas fou. Mais bon. Vas-y, let's go. Donc on regarde. Là, ça va faire le taf, là, je pense. Ouais. Donc, là, il a plutôt mal attaqué. Voilà, donc son roi est mort. Sa reine n'est que niveau 6. Ah oui, il y a plein de... Ah oui, je les avais pas vus. Ah. Bah oui, mais... Un truc de mortier, c'est terminé, hein. Je sais pas, je... La reine, elle prend des dégâts, là. Ouais, elle prend plein de... Ouh, elle est bien rouge, là, la reine. Bon, elle a réussi à s'en sortir, mais il y a le... Ah ouais, bon, elle est morte. Voilà, donc c'est comme ça qu'il a perdu, lui. Du coup, l'autre en dessous, il a fait que 4... il a fait que 93. Bon, c'est quand même pas mal, mais... Ouais, on voit. Alors, comment il a attaqué? Ouais, donc les ballons, là, pour faire distraire tout le monde. Ah non, il a que des ballons, ok. Donc, vas-y, fais voir. Ouais. Pourquoi j'ai mis une rempart ici? Ça sert à rien. Je me suis dit peut-être que ça va peut-être les bloquer, non? Bon, je sais pas. Je tiens à préciser que là, je termine l'ancrage d'un dessin et en vidéo, je vous fais bah, coloriage, gommage, tout ça. Enfin non, pas gommage parce que normalement je l'aurais déjà fait, mais déjà coloriage pour commencer. Et puis après, je vais vous expliquer un peu tout, mais je pense que vous aurez compris vu le dessin. J'ai deux dessins à vous présenter à terminer déjà aussi. Donc voilà. Donc après cette vidéo, vous voyez que là, vous avez vu ma base tout à l'heure. Ben j'ai pris une capture d'écran aussi. Je vais vous la montrer à la fin de la vidéo. Je vais vous prendre deux captures d'écran, à un avant et un après, et vous me direz lequel vous préférez en village du coup. Pour moi, c'est le dernier parce que je le trouve plutôt bien équilibré. Donc, ça, son roi des barbares là. Faut vraiment que j'améliore mes remparts là parce que waouh, il y a que un côté où elles sont bien. J'ai pas fait le bon boulot là. Ah non, ma reine. Non, 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 ma reine, non. Non, mais non, ça se fait pas. Oh, mon roi, il s'est fait avoir aussi. Oh là là, non! Lui, vous voyez, il a plutôt bien attaqué. J'ai faible batterie, bon, c'est pas grave. Oh non, ma réserve d'élixir noir. Ouais, bah c'est le problème de mon ancienne base. Bon, on va quitter. J'avais pas mis assez de défense au niveau de l'hôtel de ville, des réserves, tout ça. Donc, voilà mon ancienne base. Je vais vous montrer mon ancienne aussi. Voilà. Donc ça, c'était mon ancienne. Pas ouf, hein. Ouais, non. Pas ouf du tout, même. J'aime pas. Celle-là, bon. Est-ce qu'on est obligé d'en parler? Non. Toutes les défenses, elles sont autour et pas à l'intérieur. Donc c'est pas terrible. Un bâtiment est protégé par des remparts. Donc, ouais, bah, non. Si on pouvait éviter, ça serait déjà bien. Parce que là, bon, regardez, toutes les défenses, elles sont autour. Ouais, je quitte l'arc. J'ai celle-là aussi en base de guerre, c'est ma préférée. C'est ma petite préférée. Donc, ouais, donc je vous montre. Voilà, donc ça, c'est ma petite préférée. Ah non, ah non, pas celle-là, non. Ah si, quoique. Ouais, si, je crois que si. Mais je sais pas pourquoi, mais derrière l'hôtel de ville, j'ai mis des pièges à ressort. Je me suis dit, oui, peut-être que bon, voilà. Non, bon, ok. Donc voilà ma base, mais je l'aime pas trop comme ça. Non, je vais la changer. Je vais la changer. Et dites-moi aussi si vous voulez d'autres. Enfin, là, de base, c'était une vidéo tuto. Bah, c'est fini un peu en présentation. Mais c'est pas grave, d'accord? Si vous voulez regarder que le début de la vidéo, bah, vous regardez que le début. Si vous regardez jusqu'en entier, jusqu'à la fin, quoi. Vous êtes des putains de BG, d'accord? Donc, voilà. Donc, j'ai pas grand-chose à montrer. Ah si, oui, ma base. Ma base des ouvriers, j'ai fait que de la merde, mais t'inquiète. C'est, je... Oui. Je suis content. Donc, Oh, je peux l'améliorer.
Bah let's go. Bah c'est nice, let's go. 1000 j'aime. J'ai vraiment vu 1000 j'aime là pour waouh, 3 jours de téléchargement, il faut 1000 j'aime. Waouh. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, l'abonnement, le like, tout ça. Allez, je te dis salut.